C'est tout. Gilbert, qu'est-ce que tu réponds à Jean-François Copé qui ce matin disait « Je n'accepterai aucune collusion avec l'extrême droite ». Mais je lui réponds que c'est le roi des faux culs. Quant à l'Assemblée, je demande qu'on abroge l'aide médicale d'État et qu'il vote contre ma proposition. Et qu'après, pour gagner contre Copé, il demande qu'on abroge l'aide médicale d'État. Quel crédit on peut accorder à un homme politique qui est une girouette que le vent médiatique fait tourner à une vitesse incroyable. Mais justement, puisque tu parles de vent, Gilbert, est-ce que le vent de l'histoire politique, c'est un rapprochement UMP, Front National, à ton avis? Pour les municipales, par exemple. Mais encore une fois, nous n'avons aucune intention de nous rapprocher de tous ces faiblards. Quoi. Voilà, ils ont, non mais toi, Gilbert... Ils n'ont pas l'amour de la patrie, ils sont mais, là... Mais Gilbert, tu as été toi-même approché, tu nous l'avais raconté, avant la législative, par l'UMP, parce que tu faisais peur, moi, semble-t'il, à l'UMP. Mais moi, je suis très, très clair, et je crois que la position de Marine a été très claire là-dessus. Au cas par cas, si on a affaire à des gens convenables... Pourquoi ne pas nous allier ? Il vaut mieux qu'un candidat UMP soit élu qu'un candidat socialiste, c'est clair. Merci.